Voilà, premier jour où je vais vraiment essayer de faire un peu de cardio, là, d'aller courir un petit peu avec ma fameuse nouvelle hanche. Hein. Donc ça fait 6 semaines, voilà, 6 semaines que l'opération est terminée. Et puis je vais aller marcher, courir, un petit peu de fractionner pour voir ce que ça va donner. Je me réjouis du résultat et puis bah, je prends la caméra avec, on verra ce que ça donne. C'est parti, c'est light, c'est light. Je vais pas très vite, mais des superbes sensations. C'est vraiment génial. Ah, je vais enfin pouvoir accélérer là. Ah, toujours au petit trot. C'est génial, c'est superbe. Waouh, quel plaisir, plus de douleur, plus rien. Et puis encore la caméra dans la main et tout. Oh là 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 là, je revis vraiment. 6 semaines d'opération, je revis. Pas mal la caméra encore, elle est assez stable. Bon, voilà, je dois ralentir. Pas de choix. On passe au point de ravitaillement. À pas oublier de s'hydrater, hein. Aujourd'hui, on est au vieux port du Rhône, donc dans la commune de Neuville. Et c'est un petit port qui est sympa, qu'on doit faire un petit parcours dans la forêt en bateau pour y arriver, et en voiture aussi. Et bah, on va dire bonjour à des gens qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Allez, on y va! Bonjour. Le bateau il s'appelle Minibulle et en général on a toujours du frais à bord de Minibulle bien sûr. Voilà, oui. Donc Julien et Irène, qui nous accueillent. On est ravis de vous avec avoir avec bienveillance encore. Et gentillesse sur leur bateau. Oui. Non mais c'est trop cool que vous étiez bon, là. C'est un bateau que j'ai depuis 30 ans maintenant. Boum. Voilà, du mini bulle liquide. Bon. C'est parfait pour commencer la... Ah oui, il est midi, c'est parfait. Ah, c'est midi, bah, midi, vous êtes à l'heure, hein, le petit gars. Parfaitement à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse, toujours, et on va faire une petite recette. Donc, il faut commencer par ramasser des framboises, parce que nous allons faire un tiramisu aux framboises. Donc si vous avez la chance d'avoir des framboises chez vous, eh ben, c'est l'occasion d'utiliser ces fruits dans cette recette un peu différente que la confiture ou le sirop ou tout ce qu'on peut faire avec des framboises. Alors pour faire cette recette, il va falloir tous ces ingrédients. Donc là, il y a 50 g de sucre, 100 g de framboises, une cuillère à café de citron, de jus de citron et 125 g d'eau. Donc avec ça, on va faire le coulis. Et ensuite, il nous faudra 500 g de mascarpone, 3 œufs, 125 g de sucre, des biscuits à la cuillère et quelques framboises. C'est 400 g carrément. Et de la cannelle. Et tout ça va finir dans ce plat et on va commencer la recette.
Alors, on va utiliser le Thermomix. Je ne sais pas si vous connaissez cet appareil, mais enfin bon, voilà, la maison qu'on nous prête, elle a cet appareil. Donc, je vais tenter de l'utiliser. Attention. Alors, mettre les framboises dans le bol, le sucre, la cuillère à café de jus de citron et l'eau. Alors, fermez l'appareil. Donc, je suis obligée de suivre une recette hein, pour faire utiliser cet appareil qui est tout nouveau pour moi. Donc, je vais mixer 10 secondes. Non, 10 secondes, c'est là. Alors, voilà, 10 secondes à vitesse 5. Voilà. Ça marche. Voilà, ensuite 12 minutes. Ensuite 12 minutes. Ah, combien de degrés? 100. 100 degrés à vitesse 1. Voilà. Et voilà. Alors, voilà, le coulis est prêt. Donc, on le réserve dans un petit plat. En attendant qu'on l'utilise. Puis ceux qui n'ont pas ce magnifique appareil, ils font comment? Eh ben, on le fait à l'ancienne. On le fait avec un fouet à la main ou électrique. Et puis le coulis, on peut le préparer dans une casserole, comme à l'ancienne. Donc sur le bateau, t'as pas ça? Non, j'ai pas ça. Donc je ferai un coulis dans une casserole, je préparerai ma crème avec un fouet électrique ou à la main, hein, ça dépend ce que vous avez. Alors maintenant, on va passer à la crème. Donc on va mettre les 3 jaunes d'œufs que j'ai séparés du blanc. Parce que le blanc, on va le fouetter tout à l'heure. Donc les 3 jaunes d'œufs. Les 125 g de sucre, on va mettre que la moitié, donc 75 g. Ici, et on va mettre tout ça, on va fouetter, donc toujours si vous n'avez pas de machine, donc au fouet électrique ou à la main. Donc ici, ils disent 5 minutes, à la vitesse 3-5, et voilà. Voilà, le mélange est fait, donc maintenant on enlève le fouet et on rajoute le mascarpone. Les 500 grammes. Ok. Et on remet 2 minutes à vitesse 4. Est prête, donc hop, comme c'est beau hein, donc on met cette crème ici dans le bol. Ok, on va passer au montage des blancs d'œufs. Donc on met, j'ai remis le fouet dans l'appareil, on va mettre les 3 blancs d'œufs dans l'appareil, on met une pincée de sel, voilà. Bon, allez, hop. Et on referme. Et là, 4 minutes. 4 minutes à vitesse 3,5. Bon, je dois ajouter le sucre petit à petit. Donc, on va le mettre.
Bon, c'est la première fois hein, que j'utilise un appareil comme ça pour faire de la pâtisserie. Donc, je sais pas comment vont être les blancs. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Hein? Test. Allez, test. Ouais. Donc, ce blanc qui était battu en neige, on va l'incorporer délicatement dans la crème de tout à l'heure qu'on a fait avec les œufs, le mascarpone et le sucre. Délicatement. Alors maintenant que le coulis est prêt, que la crème est prête, que nos petites framboises de décoration sont prêtes aussi, il faut imbiber les biscuits à la cuillère. Le montage, une couche de crème, une couche de biscuit, comme ça, ouais. Ensuite les petites fraises en décoration, framboise pardon. Une couche de crème à nouveau. Est-ce que ça vous plaît? Bon, j'aurais choisi un plat plus petit, il y aurait eu plus de crème et ça aurait bien recouvert ce tiramisu, mais ça ne changera pas le goût, il sera très bon comme ça. Maintenant, on va le mettre minimum 2 heures au frais pour qu'on puisse le déguster à souhait. Voilà, j'amène le tiramisu chez les copains.